Nouveau numéro du journal de l'économie. Très ravi de vous avoir au rendez-vous. Voici pour commencer un aperçu du menu. La BEAC donne un nouveau souffle aux banques commerciales d'Afrique centrale. C'est avec 256 milliards de francs de liquidités. Nouveau record pour les transactions d'argent via le téléphone mobile au Nigeria. Elles ont atteint 1,25 milliard de dollars entre janvier et avril 2018. Enfin, la monnaie locale du Kenya continue de se maintenir dans une hausse relative face au dollar américain. Vous l'aurez compris, les différentes banques commerciales des 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont bénéficié d'un appui financier de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cette dernière leur a fourni des liquidités à hauteur de 265 milliards de francs. Il s'agit d'une véritable bouffée d'oxygène pour ces banques commerciales qui pourront désormais davantage financer leurs activités. Avec ce nouveau flux financier, la BEAC passe la barre des 2 000 milliards de francs injectés dans les banques commerciales de la CEMAC depuis juin 2018. Et puis le secteur des transactions d'argent via le téléphone mobile semble en pleine expansion au Nigeria. Entre janvier et mars 2018, le cumul des opérations effectuées a atteint 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard de dollars. Il s'agit là d'un nouveau record jamais enregistré pour cette période depuis 2010. Les transactions d'argent effectuées via le téléphone mobile ont du succès au Nigeria. En effet, au cours des 4 premiers mois de cette année 2018, la valeur de ces transactions a atteint un niveau record jamais enregistré pour la période depuis 2010. Cette valeur a culminé à 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard. Dans le détail, le mois d'avril à lui seul a connu le record des valeurs des transactions mensuelles avec des opérations enregistrées pour un montant total de 125,6 milliards de naira, ce qui se démarque complètement des 450 millions de naira de transactions via le téléphone mobile enregistrées en avril 2010. Il faut dire que depuis 2012, le mobile money est devenu beaucoup plus courant au Nigeria et a même pris le pas sur les opérations de transfert d'argent via l'Internet. Le mobile monnaie se rapproche aujourd'hui des transferts effectués sur les terminaux de paiement par carte bancaire. Toutefois, le Kenya reste en Afrique le pays leader dans les transactions d'argent par téléphone portable. L'Allemagne met la main à la poche en vue de soutenir le programme de formation et de création d'emplois en Éthiopie. C'est à travers un accord devant contribuer à créer des opportunités pour les jeunes générations dans un contexte où 70% de la population éthiopienne a moins de 30 ans. Ce financement vient en prélude au Forum des entreprises qui va se tenir en Allemagne au mois d'octobre prochain, un forum destiné à permettre à l'Éthiopie de mobiliser plus d'investisseurs allemands afin qu'ils investissent en Éthiopie. Déjà, on annonce que plusieurs grosses entreprises allemandes prévoient de s'installer en Éthiopie, à l'exemple de Volkswagen et Deutsche Telekom. En Afrique centrale, la Banque mondiale estime que le potentiel du commerce agricole régional dans cette partie de l'Afrique n'est pas encore réalisé pour diverses raisons. Il s'agit entre autres de la faiblesse des liens entre les agriculteurs et les marchés, de la mauvaise qualité des infrastructures de marché et des coûts élevés du commerce résultant de la corruption le long des corridors de commerce régionaux. Aussi, la Banque mondiale
mondiale appelle-t-elle à une collaboration intersectorielle et à un leadership politique fort afin de surmonter la résistance inévitable en termes d'économie politique de ceux qui tirent actuellement les rentes du système au détriment des pauvres? Car selon la Banque mondiale, le commerce régional peut grandement stimuler le développement agricole et entraîner une réduction de la pauvreté dans la mesure où il permettrait d'accroître les revenus agricoles et réduire le prix des aliments. Il pourrait également permettre de réduire les factures d'importation et améliorer ainsi la balance des paiements des pays de la région. Depuis le début de l'année, le shilling, monnaie locale du Kenya, continue de se maintenir dans une hausse relative face au dollar américain. Plus précisément, on note un écart de 2,4% entre les deux devises ces dernières semaines. Voici les précisions dans ce reportage. Le shilling kényan ne faiblit pas face au dollar américain. Depuis janvier 2018, la monnaie kényane se maintient dans une hausse relative sur le dollar américain de 2,4%. Au dire des analystes et observateurs, le niveau de parité monétaire devrait rester constant jusqu'à la fin de l'année. Cette solidité du shilling kényan se justifie surtout par la stabilité retrouvée dans les performances de la contrepartie extérieure. On retrouve au premier rang la réduction des importations d'équipements et une hausse des exportations agricoles, lesquelles ont permis au déficit sur les opérations avec l'extérieur de se réduire à 5,8% à la fin du mois de juin 2018 contre 6,3% au terme du mois de mars. Autre facteur favorable, les transferts de la diaspora qui ont atteint 266 millions de dollars US sur les 12 mois s'achevant à la fin juin 2018 contre 156 millions de dollars pour la période équivalent en 2017 et l'amélioration du stock des réserves de change à 8,7 milliards de dollars, représentant 5,3 mois d'importation. Considéré comme étant l'économie la plus vigoureuse d'Afrique de l'Est, le Kenya semble sortir progressivement de la crise qu'il a connue en 2017 avec une élection présidentielle qui s'est déroulée dans un climat de tension et d'incertitude. Le pays reste cependant exposé aux contraintes des variations extérieures en raison notamment de sa lourde dette qui atteint désormais les 5 000 milliards de shillings, soit 6 fois ses réserves extérieures. Cette embellie de la monnaie kényane doit encore se concrétiser pour les investisseurs du Nairobi Securities Exchange, le marché financier local. En effet, ces derniers jours, la valorisation boursière a chuté de 23,8 milliards de shillings, plombée par le repli des cours sur les titres de certaines banques, dont l'une des plus importantes, la Kenya Commercial Bank. Dernière ligne droite de ce journal de l'économie, c'est bien sûr la discussion, l'échange que nous allons avoir avec notre chroniqueur Casimir Pédior. On le retrouve juste après une petite pause. Bienvenue à vous, Casimir Pédior, dans le journal de l'économie. Bonjour, Inès. Alors, le 14 juillet 2015, on s'en souvient, hein, l'île Maurice a signé avec la Zambie un accord de promotion et de protection des investissements. Pourquoi cet accord et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui? Merci, Inès. Il faut dire que les deux pays se sont donc associés pour renforcer leurs liens économiques, diversifier également leur portefeuille économique et enfin montrer donner le bon exemple en termes de coopération bilatérale au niveau du continent africain, car il faut le dire très souvent, par ici, surtout sur le continent, en ce qui concerne donc la zone ouest africaine, précisément le sud du Sahara, les accords bilatéraux, c'est très souvent donc avec les pays de l'Asie, les pays de l'Europe. Nord-sud, très souvent. Et donc, l'île Maurice, aujourd'hui, enfin, depuis 10 ans, est en train de montrer le chemin donc d'une collaboration bilatérale sud-sud à nombre de pays. En tout cas, ces pays qui intéressent aujourd'hui l'île Maurice, c'est des pays qui ont beaucoup donc à vendre et à revendre à ce pays qu'est l'île Maurice. Et donc, l'île n'hésite pas un seul instant donc à venir signer des accords de coopération. Et il faut dire, plusieurs accords ont été signés. L'un des derniers accords, c'est celui de 2015, mais avant, il y a 2012 où les deux pays se sont mis d'accord sur donc le traité de non-doublage, voilà, d'imposition au cordon douanier. L'autre accord aussi qui a été signé, c'est mars 2013, où les deux pays se sont
entendu pour une coopération commerciale et économique pouvant permettre non seulement aux deux pays de tirer bon profit, mais surtout aux investisseurs de l'île de pouvoir donc investir en Zambie. Alors, quelles sont les retombées de ces différents accords? Qu'est-ce que la Zambie a tiré de ce partenariat? Alors, qu'est-ce que la Zambie a tiré surtout dans deux secteurs? Le secteur donc du tourisme. Aujourd'hui, l'île Maurice est le premier pays en termes donc de tourisme sur le continent africain. Donc, c'est la première destination sur le continent africain. L'île Maurice a donc développé de l'expertise en ce qui concerne le tourisme. Et la Zambie, aujourd'hui, cherche à multiplier sa destination, surtout avec son potentiel faunique en ce qui concerne donc la verdure sauvage, les animaux, la destination, comment valoriser donc les espèces dont regorge le pays, préoccupe aujourd'hui les dirigeants donc de la Zambie qui vont à l'école de l'île Maurice pour apprendre beaucoup plus donc à développer ce secteur-là. L'autre secteur qui intéresse la Zambie en ce qui concerne donc ce partenariat, c'est au-delà de l'industrie touristique, donc c'est le développement du secteur des TIC, car aujourd'hui l'île Maurice a une certaine expertise en ce qui concerne les TIC. Du côté donc de l'île, ce qui intéresse l'île au niveau donc de la Zambie, c'est l'agriculture, le secteur primaire, notamment le sous-secteur agriculture, qui aujourd'hui représente beaucoup pour la Zambie. Et donc, il y a ce qu'on appelle, les deux pays ont appelé donc, le partage de savoir-faire, le partage d'expérience. Et donc, des deux côtés, il y a des experts qui iront donc, de l'autre côté pour enseigner donc, aux Mauriciens comment donc, développer les techniques culturelles pouvant permettre aujourd'hui de rentabiliser, d'accroître donc, le rendement au niveau du pays. Car il faut le dire, au niveau des céréales, voilà, aujourd'hui, l'île Maurice tourne autour de 0,66 en ce qui concerne donc la première spéculation au niveau du pays, et l'île compte donc aller au-delà de ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut déjà retenir. Au-delà de ça, c'est également les investissements, car l'île Maurice a annoncé ses opérateurs économiques pour venir investir dans l'agro-business au niveau donc de la Zambie. La Zambie verra donc la construction des industries pouvant permettre de transformer le potentiel agricole pour ajouter de la valeur au niveau donc de l'économie. Donc voilà un peu ce qu'on peut dit de façon sommaire en ce qui concerne la signature des différents accords entre 2012 et 2017, où les deux pays ont quand même démontré de bons potentiels économiques et surtout une bonne relation, une bonne coopération sur le continent africain. Alors, Kazmi Kouidjo, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations économiques entre ces deux pays, l'île Maurice et la Zambie? Déjà que l'île a quitté donc son territoire de prédilection pour donc venir au niveau du sud de l'Afrique pour chercher un partenaire pouvant lui permettre de pouvoir fructifier son économie, c'est une bonne relation, et je crois que les autorités zambiennes n'ont pas fermé la porte à cette forme de collaboration, surtout que ça dépasse donc les frontières au niveau de la Zambie. Au-delà de ça, c'est l'île qui veut aujourd'hui aller à la rencontre de l'Afrique, aller à la rencontre des pays qui ont le potentiel économique, qui également nourrissent la volonté de voir donc leur secteur touristique surtout se développer. Et donc l'île ne veut pas rester fermée sur son potentiel touristique et va à la conquête de ces pays-là. Et d'ailleurs, j'allais l'annoncer, pour la prochaine fois, nous allons étudier donc cette coopération entre le Ghana et donc l'île Maurice pour voir également qu'est-ce que le Ghana a pu apporter donc à l'île Maurice. Vivement donc la prochaine fois, Kazmi Kouidjo, et très bonne journée à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous, mais restez sur SICA, les programmes continuent. À bientôt.